Alors ICAD est un promoteur immobilier avec une spécificité puisque nous faisons à la fois de la promotion immobilière sur du logement, sur du tertiaire et également sur de la santé puisque nous faisons de la clinique, des hôpitaux, à la fois en national et particulièrement sur Montpellier. Aujourd'hui nous présentons trois opérations, donc une opération sur Montpellier qui se situe avenue Toulouse, qui s'appelle Mikasa, sur laquelle nous sommes en copromotion, qui a l'avantage de proposer de la primo-accession, donc des logements abordables pour des résidences principales. Et également un programme sur Marseillan, qui est en copromotion, en co-commercialisation avec Alelitos, pour lesquels nous sommes en lancement depuis un mois. L'avantage des salons, c'est que nous rencontrons pas mal de monde qui viennent de différentes régions, voire de différentes de villes sur le Languedoc, et qui sont intéressés soit pour de la résidence sur le Languedoc-Roussillon ou dans d'autres régions. Mais là particulièrement sur Montpellier, puisqu'il y a une forte demande aujourd'hui sur Montpellier, puisqu'il y a peu de biens à la vente. C'est un moment incontournable. Nous avons deux moments qui sont importants dans notre année. C'est le salon de mars au Corum, et puis c'est ce salon-là qui nous permet de démarrer notre rentrée. Donc c'est un moment vraiment crucial. On a des clients qui sont à la fois sur la résidence principale, mais également de l'investisseur qui représente une bonne partie de notre production aujourd'hui. Septembre précisément, c'est effectivement la rentrée. C'est là où les gens commencent à rechercher des appartements pour la fin de l'année, puisque nous avons une échéance importante qui est le Pinel, avec une actabilité fin d'année. Donc là, forcément, il y a un rush sur cette période, de façon à ce que le client puisse trouver ce qui lui correspond pour défiscaliser, notamment sur 2019. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est important de se remettre très rapidement dans de l'immobilier, puisque les taux sont historiquement bas. Donc pourquoi faire le pas aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il est plus intéressant de placer son argent dans la pierre que dans des liquidités à la banque.